Bravo, je sais que vous avez trouvé les différences. La première phrase était ⁇ Le marchand sert un client ⁇ La deuxième phrase était ⁇ La marchande sert une cliente ⁇ Nous sommes passés du masculin au féminin. Le marchand, c'est masculin. La marchande, c'est féminin. Un client, c'est masculin. Une cliente, c'est féminin. Il y a une règle qui est très très simple et que vous connaissez déjà puisqu'on en a déjà parlé. Pour former le nom féminin, nous ajoutons très très souvent la lettre E au masculin. Le marchand s'écrit avec un D à la fin. Pour faire la marchande, il nous suffisait juste de rajouter le E. Le client s'écrit avec un T à la fin. Pour faire la cliente, il nous a suffi juste de rajouter le E. Je vous montre ça tout de suite sur ma feuille. Et donc, comme vous le voyez, le marchand avec un D devient la marchande avec un E. Sert un client avec un T devient sert une cliente avec un E. Maintenant, nous allons faire un petit jeu, et j'espère que ce jeu va vous plaire. Je vais vous mettre sur la vidéo des mots au masculin, et voilà le plus vite possible, il faudra donner leur équivalent au féminin. Rappelez-vous de la règle la plupart du temps, pour passer d'un nom masculin à un nom féminin, il suffit de rajouter un e. Bonne chance, et je compte sur vos parents pour ouvrir grand leurs oreilles pour bien écouter vos réponses. Alors, c'était pas facile ce jeu Je sais que c'était très facile. Nous allons faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais vous mettre des mots au féminin. Et vous, vous allez devoir retrouver le masculin avec la bonne écriture. Rappelez-vous qu'au féminin, on ne fait que rajouter un E. Donc finalement, c'est plutôt facile. Il va vous suffire juste d'enlever ce E pour obtenir le masculin. Vous pouvez le faire soit sur votre ardoise ou sur votre cahier de brouillon. Je vais mettre à chaque fois l'exercice et juste après vous aurez une petite réponse que je vais commenter. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à tout de suite. Vous voyez qu'au final, c'est assez simple. Quand on pense au féminin, nous pouvons souvent retrouver la dernière lettre du nom masculin. Par exemple, si je pense une géante et que je cherche comment s'écrit un géant, je sais que j'ai juste à retirer le E et du coup que géant terminera par un T. Quand je pense à ma cousine et que je veux savoir comment s'écrit le cousin, c'est tout simple aussi. Je n'ai juste à enlever le E à la fin etc. etc. Maintenant que vous connaissez cette règle, je compte sur vous pour ne plus faire d'erreur. Je vous laisse passer aux exercices et je vous dis à demain